Si toi aussi t'as envie d'avoir Ronaldo et Messi dans ton équipe, je te conseille d'aller sur Aoea. T'as 3% de réduction avec le code CK5. Tous les liens sont dans la description. Hey, bien, salut tout le monde, c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept sur la chaîne YouTube History Challenge. Nous sommes avec notre team Gam Forest. Avant que je vous explique un petit peu le concept qui j'espère va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher le petit pouce bleu pour ce nouveau concept. Et voilà, il nous reste 250 abonnés à peu près pour les 20K, ça serait énorme. Voilà qu'on s'en rapproche aujourd'hui. Voilà, un grand merci à vous pour votre soutien. Alors, comme son nom l'indique, le challenge History Challenge. Alors, ça va être un challenge assez particulier qui va se référer à des faits historiques du club. Donc, pour rappel, Nottingham Forest est un club qui a remporté 2 fois la Ligue des Champions. Actuellement, ils sont en Championship. C'est le seul club à avoir remporté plus de Ligue des Champions que de championnat national. Et c'est également le seul club à avoir remporté une Ligue des Champions et dans la foulée, se faire reléguer en 3ème division. Alors, les vidéos vont se dérouler en 5 saisons et le but, ça sera de remporter un championnat et 2 Ligues des Champions. Alors, 5 saisons pour Nottingham Forest, mais ça va varier. Par exemple, si vous me proposez un autre club, je ne sais pas, je vais prendre Reims ou Nantes, et ben, il y aura moins de saisons. Voilà, ça c'est moi qui vais décider en fonction du projet. Mais voilà, on part donc pour 5 saisons du côté de Nottingham Forest. Le but, ça sera vraiment de remporter 2 Ligues des Champions et un championnat pour un petit peu valider le challenge. Mais voilà, je trouve que c'est un concept assez sympathique. Donc n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires des clubs historiques qui ont fait de belles performances européennes, qui ont pourquoi pas remporté la Ligue des Champions et qui depuis quelques années sont pas très bien. Comme je le disais, actuellement Nottingham Forest est 19ème de Championship, donc ils sont pas si bien que ça. On a quand même un groupe assez sympathique, voilà, avec des joueurs de qualité. Clairement le but, ça va être de remonter cette première saison, même si ça va pas être simple. On a un budget de 16 millions, il n'y a pas eu de coup de pouce financier, ne vous inquiétez pas, là on est vraiment dans quelque chose de plutôt sérieux. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'effectif, l'abonnement et le like les gars, ça me ferait super plaisir. Bientôt les 20 000 si on peut les faire aujourd'hui, ça me semble très compliqué, mais si on peut s'en rapprocher les gars, un grand merci à vous, c'est tout simplement fou. Du coup les gars, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve à la fin de ce premier mercato estival, voir un petit peu les recrues, les départs, et j'espère que ça va plutôt bien se dérouler car ça va quand même être assez compliqué. Bon les gars, nous sommes à la fin du mercato, j'ai effectué un petit peu le début de la saison. Je vais directement vous montrer les recrues que j'ai effectuées. Alors, bon, il y a eu pas mal de mouvements, c'est un premier mercato. J'ai essayé de faire venir des joueurs d'avenir, je suis un petit peu obligé parce que sur 5 saisons, il va falloir que ça évolue. Alors, on va le faire par date. Alors, vente de Graban à Copenhague, joueur vieillissant. De même pour Taylor, 2 100 000, donc on récupère un petit peu des sous. J'ai acheté Quaresma du Sporting pour 6 millions d'euros, alors il vient nous aider un petit peu dans notre défense centrale, car... voilà, il n'y a pas. Enfin, les généraux sont pas très élevés, donc il est directement titulaire. J'ai acheté Aarons pour 5 800 000 plus Jenkinson. Donc là, on fait une petite affaire. On va pas se mentir qu'on a 2 très bons joueurs d'avenir pour pas grand chose. J'ai vendu Efele Young Boy pour 1 million, dédicace aux Suisses. J'ai vendu Darikwa aux Rangers pour 1 400 000. J'ai acheté Matondo pour 3 850 000. Alors, il vient vraiment dans la rotation d'effectifs. J'ai acheté Oliveira pour 3 300 000 de même, il vient dans la rotation d'effectifs, il me fallait des joueurs de qualité pour enchaîner les matchs. J'ai acheté Sangaré enfin pour finir pour 11 900 000, bon même s'il vient de rejoindre le PSV, j'avais besoin d'un bon joueur. Voilà, donc un mercato assez agité. On a, voici l'équipe 1, tout simplement Knoertz qui est en prêt, donc ça il faudra faire attention. Et on a une équipe plutôt sympa, on va s'attarder un petit peu sur le début de la saison que j'ai effectué. Avec un premier mois assez chargé, défaite face à Norwich. Ensuite, bon, on remporte la plupart de nos matchs. Défaite en coupe face à Brentford, j'ai fait tourner. Mais je simule tout, à partir de maintenant je vais simuler par calendrier. Là je faisais un petit peu le mercato, donc j'avançais jour par jour. Mais voilà, au niveau du classement on est plutôt pas mal avec une 3ème place actuellement. On espère que ça va continuer, il nous reste 2 millions, j'ai fait signer un jeune dans l'équipe 1 aussi. Un jeune qui a l'air pas mal, je vais vous le montrer de suite. Et il s'agit de Zaitsev, il peut jouer milieu droit MCMG, il a 5 étoiles de technique, 5 étoiles mauvais pied. Voilà un joueur qui paraît très très bon. Donc voilà, du coup les gars, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve au mercato hivernal, voir un peu comment ça se passe. Et après bah, on ira directement sur la fin de cette première saison. Bon les gars, nous sommes au mercato hivernal. Bon, au niveau des transferts il s'est rien passé. Knokers qui, c'est un prêt court tout simplement, donc il n'est plus dans l'effectif. J'ai pas voulu recruter. On va y aller avec Oliver à côté droit, avec Zaitsev en doublure. On va voir ce que ça va donner.
On va faire un point sur tout ce qui est classement et tout, ça me semble le plus intéressant. Bon, en Emirates FA Cup, on est avec un match d'appui là, face à Crewe Alexander, il me semble, je suis pas sûr. Donc j'espère qu'on va quand même passer. En Championship, on est 3ème actuellement. Voilà, derrière Bournemouth et Watford, bon, c'est des équipes qui jouent tout le temps la première ligue. Nous, on est 3ème, ça se passe bien, ça se passe bien en égalité avec Derby County, faut faire attention. Faut faire attention tout de même à comment ça va se dérouler. On a quand même 8 défaites, c'est quand même pas mal. La Carabao Cup, enfin c'est pas mal, c'est assez énorme. La Carabao Cup, c'est une finale Chelsea Crystal Palace. Bon, je vous montre un peu tout ce qui est Champions League. OM Lazio, PSG Chelsea, Rennes City, tous les clubs français qui sont passés. Bah, c'est pas près d'arriver dans la réalité. Et voici les 16e de finale d'Europa League. Voilà un petit peu tout, on va voir un tout petit peu les statistiques, mais bon, c'est pas très intéressant, c'est la première saison. Voilà, ce sera bien intéressant de le voir vraiment à la fin. Pour l'instant, on a pas mal de buts ouais, pour Ameobi, Guerrero, Lolei. Voilà, bon, voilà un petit peu tout ce qui se passe. Du coup, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de la saison et j'espère un retour en première ligue, ça serait vraiment très très sympathique. Bon, les gars, nous sommes à la fin de cette première saison, on va faire un débrief général. Et franchement, je me dis gagner la Ligue des Champions deux fois et une fois la première ligue en 5 saisons, ça va être très très compliqué. On va donc... oula, j'allais vous spoil. On va donc aller voir ce qui s'est passé au niveau du classement. Alors on a fini 3ème, belle saison tout de même, voilà, 3ème place, 93 points. Mais voilà, vous allez voir si on monte ou pas en première ligue, parce qu'après il y a tout simplement des matchs de promotion, des barrages, vous allez voir ça. Donc on finit 3ème de Championship, la Emirates FA Cup, remportée par United face à City. Nous on s'est fait éliminer, très tôt, voilà, en 4ème match d'appui. Dommage. La Carabao, on va quand même regarder qui c'est qui la remporte, c'est Chelsea 3-1. La Champions League, c'est City. Bon, City ils gagnent tout, donc on va tomber face à eux, ça va nous faire tout drôle. Et Naples qui gagne l'Europa League. Voilà, au niveau des gros, on va dire un petit peu ce qui s'est passé. On va voir un petit peu les statistiques de l'équipe. Et après, on ira voir évidemment si on monte ou pas en première ligue. Donc, notre meilleur buteur, c'est Lolei avec 75 général. 21 buts pour les deux. 17 pour Ameobi, 6 pour Sangaré, 6 pour Da Costa, 5 pour Ribeiro, 5 pour Freeman. Il a pris un moins 3, le pauvre. Hein. Clairement, il s'est fait chétaniser, je sais pas, moins 3. Et au niveau des passes décisives, 12 pour Ameobi, 7 pour Lolei, 6 pour So, 6 pour Sangaré et 5 pour Freeman. Voici un petit peu les statistiques. On va donc voir si on monte ou pas. Et bah écoutez, on va aller dans le calendrier. Donc je l'avais fait. Alors hop hop hop, on tombe en coupe face à Norwich. On gagne le premier match 1-0. Le deuxième on fait nul 2-2. Donc on n'est pas passé loin. Et ensuite on a gagné 3-0 face à Birmingham. Donc logiquement on monte en première ligue la saison prochaine. Mais on a eu une réunion sur nos performances. Ils sont pas très contents de nous. Donc voilà, un petit peu, ouais, un petit peu chaud pour nous. On a une équipe sympa. Après pour la première ligue, voilà, ça va pas être suffisant. Je pense qu'on va effectuer quelques ventes, notamment là, Yates, Bachirou, voilà, ce genre de joueurs qui sont pas, ils sont pas mauvais, mais bon, c'est compliqué sinon pour la première ligue. On va voir un petit peu pour essayer de renforcer cette équipe là. Du coup, bah les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin du mercato de cette deuxième saison. Bon les gars, nous sommes à la fin du mercato de cette deuxième saison. Il s'est passé pas mal de choses. Je vais directement vous les montrer. On avait 50 millions à peu près au niveau du budget. Donc les premiers départs. Alors on a eu le départ de Blackett à Copenhague pour 1 350 000. Le départ de Guerrero à Eibar pour 4 500 000. C'est super bien vendu. On a acheté Solomon pour 17 900 000 du Shakhtar Donetsk qui vient directement en tant que titulaire. J'ai acheté Saliba pour 16 millions d'euros. J'ai acheté Cabal pour 27 millions d'euros et j'ai vendu Mbesso pour 2 100 000. Je vais vous montrer ce que l'équipe donne actuellement. Bon, ça va être très compliqué de se maintenir en première ligue. On a une équipe quand même qui est sympathique, mais voilà, il y a une belle marge de progression. Ça va pas être simple de se maintenir. On a encore des joueurs à 73 de général titulaire. Après, on a un banc qui est pas mal. Il y a des 74, 72. Mais voilà, à mon avis, ça va pas être suffisant pour se maintenir. Je vais quand même vous montrer notre début de saison. Voilà, en 4 matchs, on a 2 points. On est un petit peu mieux que Watford et Bournemouth. L'objectif, c'est clairement de se maintenir cette première saison. Et pourquoi pas la saison prochaine, aller titiller un petit peu les places européennes. Mais vraiment, se maintenir cette saison, ça va être l'objectif. Mais ça va pas être simple. Du coup, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au mercato hivernal pour voir où on en est. J'espère ne pas me faire virer. Bon, les gars, nous sommes à la mi-saison. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé.
C'est très compliqué. Voilà, le championnat, comme vous pouvez le voir en bas à droite, c'est dur. C'est dur, on est actuellement 18ème, 20 points. C'est compliqué, on n'arrive pas vraiment à gagner nos matchs, on en a gagné seulement 4. Après, on a fait 8 matchs nuls, c'est ce qui nous sauve un petit peu. Voilà, j'aimerais bien me maintenir, même si on sait que ça va être compliqué. Si on descend, le projet va être fortement compromis. Il va être compromis, tout simplement. 18ème place, on espère faire mieux. L'Emirates FA Cup, on s'est fait sortir au 4ème tour face à Chelsea 4-0. Ils sont très forts, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. La Carabao, c'est une finale Manchester City United. Moi, Champions League, la Ligue Europa, je ne vous la montre pas. On n'y est pas, je vous montrerai les vainqueurs à la fin de la saison. Il ne s'est rien passé au niveau du mercato hivernal, j'ai juste re-signé des joueurs. On a une équipe actuellement qui est sympathique. Le moins bon, c'est Ameobi avec 73 de général, mais bon, on n'a pas eu trop les finances pour pouvoir le changer. Mais l'équipe est plutôt sympathique, on va quand même regarder un petit peu quels sont les joueurs en forme de cette équipe au niveau des buts, des passes décisives. On a 7 buts pour Solomon, 6 pour Cabral, 5 pour Sangaré, 4 pour Lolé, 4 pour Dacosta, 2 pour Aarons, 2 pour Ribeiro. Et au niveau des passes décisives, on a un petit peu les mêmes, Solomon et Lolé qui sont vraiment pas mal. Ça c'est une bonne nouvelle, Sangaré, Ameobi et Carvalho. Voilà, on a un effectif qui est bon mais qui montre clairement ses limites et maintenant l'objectif ça va être de se maintenir même si ça va être très compliqué. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'on va pouvoir se maintenir pour pourquoi pas la saison prochaine essayer de jouer de mauvais tours aux équipes de première ligue. Voilà le projet qui est toujours sur les rails. Du coup les gars, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve à la fin de cette deuxième saison. Bon les gars, nous sommes à la fin de cette deuxième saison du côté de Nottingham Forest. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. Vous pouvez le voir que j'ai le sourire car vous le voyez hein, qu'on est toujours en première ligue la saison prochaine. On finit à une 16ème place. Alors 16ème place qu'on a, on a galéré hein. On a 37 points en 38 matchs. On a même pas pris un point par match. Mais que dire, que dire. Alors là on a le classement sous nos yeux. On finit devant Leeds, Brighton, Watford et Bournemouth. Ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose. Mais voilà, je suis heureux de m'être maintenu. Ça n'a pas été simple. Et ça se joue à pas grand chose hein. Vraiment à pas grand chose, à même pas 5 points. La Emirates FA Cup remportée par Reading. Alors Reading qui a fait un parcours incroyable, qui élimine Wolverhampton, qui gagne United en finale. Bien joué à eux. Ça aurait pu être nous. Et la Carabao Cup remportée par United. La Champions League, on va voir par qui elle est remportée. On espère que ce sera nous dans quelques saisons. Par Liverpool 3 en face à Dortmund. Bon, il y a beaucoup de travail, hein, vous allez voir ça. L'Europa League. Allez, allez, les menus. Vivement la PS5. Vivement la PS5, je vous le dis, les amis. Parce que là, les menus, c'est compliqué. Et victoire de Mönchengladbach face à Arsenal 1-0. Alors, on va voir l'équipe. Alors, l'équipe est pas mal. L'équipe est pas mal. On a du Cabral 119. Samba qui est à 80. On commence à avoir une équipe sympa. Avec des joueurs de qualité, on était meilleur en fin de saison qu'en début de saison. Plutôt logique. Et voilà, on a toujours pas mal de joueurs. J'espère un petit peu en enlever la saison prochaine. De toute façon, vous allez voir ça. Équipe du coup assez sympathique. On va aller voir les statistiques. Bon, il n'y a pas des stats de fou de 40 buts par-ci, 40 buts par-là. Voilà, on a fini 16ème. Mais on a quand même 13 buts pour Solomon, 6 pour Lolei, 6 pour Cabral, 5 pour Sangaré, 5 pour Ameobi, 4 pour Dacosta, 22 pour Aaron. C'est au niveau des passes décisives. 5 pour Lolei, ça a quasiment pas bougé. 4 pour Sangaré, 4 pour Solomon et 3 pour Ameobi. Du coup les gars, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve pour la fin du mercato de cette troisième saison. J'espère qu'on va recruter du lourd et surtout qu'on va faire mieux que cette 16ème place en championnat. Qui, bon, je m'en contente hein, de cette 16ème place. Le plus important c'était le maintien, mais j'espère quand même avoir voilà, joué quelque chose d'un petit peu mieux. Donc on se retrouve tout de suite. Bon les gars, nous sommes à la fin du mercato de cette troisième saison. J'étais un petit peu étonné du budget. L'année dernière on a eu 50 millions, là j'ai eu seulement 20 millions d'euros. Ça m'a pas facilité les choses, je vais pas vous mentir. Donc on va aller voir ce qui s'est passé, on va faire par date. Jamie Vardy nous rejoint gratuitement, alors il était agent libre. Donc je l'ai fait signer, bon il a 35 ans, 81 de général. Vous connaissez, alors ceux qui ont suivi l'année dernière la carrière avec Leicester, vous savez la petite histoire qu'il y a avec Jamie Vardy. Voilà, c'est un joueur qui était très fort. Voilà, je continue la belle histoire dans cette vidéo, j'espère qu'il va nous faire de belles choses. J'ai signé Campuzano pour 21 millions d'euros, j'ai vendu Arter pour 1,6 million, j'ai vendu Cafu pour 2 150 000, j'ai acheté Hack pour 16,8 millions. Voilà, on a une équipe, je vais vous la montrer, assez intéressante, plus complète que la saison précédente. Voilà, on a Campuzano et Hack qui nous rejoignent et après on a Vardy en pointe, mais on a évidemment notre ami Cabral, 80 de général sur le banc. Bon, il est un petit peu moins bon, mais il va vite prendre sa place. On a une belle équipe.
On a une belle équipe, mais le problème c'est qu'ils m'ont un petit peu envoyé à la mort le calendrier parce que premier mois, j'ai gagné aucun match. Voilà, j'ai eu United, City, Chelsea, Liverpool. Bon après on a un petit peu déconné face à Norwich. Et là j'ai encore Arsenal, donc j'espère ne pas me faire virer parce qu'on gagne pas nos matchs, mais les gars c'est impossible à gagner. On est actuellement dernier, 0 points, on n'est pas bien, mais j'ai espoir et j'espère vraiment qu'on va pouvoir relever la tête et aller chercher une qualification en Coupe d'Europe, ça serait tout simplement incroyable. Donc on se retrouve au mercato hivernal, même si on a 0€. Bon les gars, nous sommes à la fin de cette troisième saison. Je vous ai pas retrouvé au mercato hivernal, car il s'est pas passé grand chose, il s'est tout simplement rien passé. Comme vous pouvez le voir les gars au niveau du classement, 15ème place, c'est très décevant. Voilà cette 15ème place, on avait un meilleur effectif, malheureusement on n'arrive pas à faire mieux. 9 victoires, 9 nuls, 36 points, on a un petit peu moins tremblé. Mais voilà, on a vraiment fait une mauvaise saison. C'est mort pour gagner deux Champions League. Le championnat ça va être très compliqué dans les deux dernières saisons. Mais bon, on a espoir. On va voir quand même ce qui s'est passé en Emirates FA Cup avec Liverpool qui gagne 1-0 face à Everton. Voilà, nous on s'est fait éliminer très tôt. La Carabao Cup remportée 1-0 par Arsenal face à Liverpool. Nous on s'est fait sortir au deuxième tour face à Norwich dès le début. Voilà, compliqué, compliqué. La Champions League remportée par le Real, 5-4 tirs au but face au Barça. Et l'Europa League qui est remportée par United 3 en face à Dortmund. Bien joué à eux. Voilà, surtout qu'on a une équipe sympa quand on voit sur le papier. Le moins bon c'est Carvalho et Quaresma à 77, sinon tout le reste c'est à plus de 80. Voilà, un petit peu déçu. On va quand même aller voir les statistiques avec, vous allez voir, une belle saison pour voilà, Solomon, 15 buts, 8 pour Cabral, 8 pour Vardy, 4 pour Sangaré, 3 pour Carvalho, 2 pour Aaron, c'est au niveau des passes décisives, 5 pour Carvalho, 4 pour Sangaré, 3 pour Mazondo qui commence à devenir pas mal, 3 pour Solomon et 3 pour Jamie Vardy. Du coup les gars, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve à la fin du mercato estival de cette quatrième saison en espérant avoir plus de 20 millions parce que 20 millions c'est très peu. Et voilà, sinon l'équipe va avoir beaucoup de mal à évoluer. On se retrouve tout de suite. Bon les gars, nous sommes au début de cette cinquième saison. Malheureusement j'ai eu un problème d'enregistrement pendant la quatrième saison. J'ai tourné mais malheureusement il y a eu un bug qui rend les fichiers tout simplement morts. Je vais quand même vous faire un récapitulatif qui est quasiment pareil que celui que vous auriez pu avoir. Sauf que voilà, vous n'avez pas les menus. Mais vous inquiétez pas, ça revient au même. Alors, cette quatrième saison, on s'est fait éliminer en troisième tour en FA Cup, troisième tour de Carabao Cup. J'ai acheté Szoboszlai pour 42 millions d'euros plus notre MOC. Voilà, donc on a mis tout notre budget. J'ai vendu Taylor pour 1,6 million, c'est tout ce qui s'est passé en termes de mercato. Et j'ai fini 13ème en première ligue. Alors, la première ligue, on a quand même fait une saison assez sympa. Voilà, 13ème place, on n'a pas tremblé pour la relégation, mais c'est mort pour remporter les deux ligues des champions. Et la première ligue, bah, on peut encore le faire cette saison, même si ça semble très compliqué. Voilà, avec 14 victoires, 10 nuls. On a fait une saison assez sympathique, un petit peu dégoûté. Voilà, que vous n'ayez pas vu tout simplement cette quatrième saison. Bon, c'était pas passé grand chose. Aussi, je l'avais dit, mais du coup, vous l'avez pas entendu. Est-ce que vous êtes chaud pour un deuxième épisode? Normalement, c'est une vidéo qui se déroule en un épisode. Mais si vous êtes chaud, on pourrait pourquoi pas faire un deuxième épisode. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, pour cette cinquième saison, on a 40 millions. Je pense recruter un défenseur central parce que notre ami Quaresma et 77, c'est pas top top. Donc voilà. Et voilà, du coup, bah, on se retrouve à la fin de la saison, même pas au mercato estival, vu que là je vous ai un petit peu fait le débrief. On se retrouve à la fin de la saison pour voir le joueur que j'ai acheté et tout ce qui s'est passé. Et si on arrive, pourquoi pas, à remporter un championnat, même si ça me semble assez compliqué. On se retrouve tout de suite. Bon les gars, nous sommes à la fin de cette cinquième saison. On va directement découvrir ce qui s'est passé. Je vais vous montrer le joueur que j'ai acheté. Voilà, bon, sans grande surprise, c'est un défenseur central. Il s'agit de Todibo. J'ai mis Quaresma dans la transaction, 43 millions d'euros. C'est vraiment un beau coup de notre part. On va aller voir donc ce qui s'est passé en championnat. Une 11ème place. On commence petit à petit à être dans le milieu du tableau sans trembler. 55 points. Très loin de la relégation. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais bon, on est quand même voilà, à plus de 20 points de la 4ème place. Voilà, on est vraiment dans le ventre mou du classement. 17 victoires, 17 nuls. Voilà, une saison quand même honorable pour Nottingham Forest qui, il y a 4 saisons, était en 2ème division. La FA Cup remportée par Liverpool 2-0 face à Leicester. La Carabao remporté par Arsenal 3-0 face à Liverpool. Voilà, bon, en coupe, on n'a pas fait de beau parcours malheureusement. C'est peut-être un petit peu ce qui est regrettable dans ces différentes saisons avec des champions. El Bayern qui remporte la LDC face au PSG au tir au but. Écoutez, ça me rappelle bah, la finale qu'il y a eu.
Sauf que bon, ça n'a pas eu le même scénario. Et l'Inter qui remporte cette finale d'Europa League face à West Ham. Assez intéressant les finales qu'il y a pu y avoir. Notre équipe, les gars, au bout de cette saison, la voici. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'on a une belle équipe et on n'a pas fait mieux qu'une 11e place. Alors qu'on a quand même des 87 et tout. Donc, assez surprenant. Peut-être qu'il manque un petit peu de banc, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. On va aller voir les statistiques un petit peu de nos joueurs au terme de cette saison qui est sûrement la plus aboutie, hein, on va pas se mentir, de toutes celles qu'on a pu faire. 12 buts pour Cabral, 12 buts pour Szoboszlai, 9 pour Hack, 6 pour Solomon, et au niveau des passes décisives, 6 passes pour Szoboszlai, 5 pour Solomon, 3 pour Sangaré, 3 pour Todibo. Donc les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, désolé pour le bug au niveau de la saison 4, mais ça change pas grand chose. Vous avez quand même vu et tout ce qui s'est passé. C'était Kebab, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement, ça me ferait super plaisir. On se retrouve à la prochaine. C'était Kebab, peace!